avez fait votre digestion, le compte de gestion aussi. Ah non, ça c'est moi. Ça c'est toi. Bien. Donc je soumets à vos suffrages le compte de gestion, qui est en tout point conforme au compte administratif. Il y a des oppositions, il y a des abstentions. Je n'entends pas, le compte de gestion est adopté. Affectation du résultat. On va voir au moment de la section d'assessement. Avec les restes à réaliser. Ah bah oui. Je vous ai mis, je sais pas si vous avez. Donc c'est lié. Ouais. Donc après, l'ancien compte. Voilà. Bon, c'est ça. Oui. Quand vous émettez mon dame, vous émettez 20 fois, vous mettez pas 0,0. Pour déterminer le 1068. Il est temps que ça change. Je vous propose de commencer par la section d'investissement. Donc là, on va peut-être faire quelques petites modifications. Alors déjà, la première ligne, je suis désolé. Donc pour la reprise du déficit. Donc on reprend le déficit, évidemment, qui apparaissait au compte administratif. Pour 23 074 euros. Et non pas 25 939. Donc 23 074. Remboursement du capital de l'emprunt. Donc là, le montant est connu, il faut prévoir une somme de 7 255 euros. Alors, au niveau des cautions, donc s'il y a un changement de locataire, il est proposé d'inscrire 555 euros en dépenses, mais également en recettes. Donc ça, c'est nul. Et il faut les prévoir en dépenses, 555 euros. La cotisation pour l'utilisation du logiciel Cigilab qui résulte de la convention passée avec eux va être d'un montant de 1850 euros. Et enfin, il vous est proposé, au niveau des dépenses imprévues, d'inscrire une somme de 1000 euros. Donc là, on va refaire le total qui va être modifié. Bon, on va faire un point. Au niveau des recettes, le fonds de compensation de la TVA sur vos travaux réalisés l'an dernier va s'élever à 4 360 euros. Alors donc, au niveau de l'affectation du résultat, donc on va prélever cette année sur l'excédent de fonctionnement, ce qui est nécessaire au financement du déficit, c'est-à-dire 23 074, plus le besoin de financement des restes à réaliser, c'est-à-dire 8 000 euros, moins 5 134 euros de restes à réaliser en subvention. Alors donc ça va nous donner ça nous donne un total de 25 940. Bon, 25 929. Ah non, ça c'était bon. Voilà. Ah mais je suis pire que Saint Thomas, vous savez. Je sais. Le compte 165, donc encaissement des cautions. En tête de changement de locataire, on l'a vu tout à l'heure, hein, 555 euros, ça s'équilibre. Réajustement des amortissements. Donc là, en récidive, on inscrit l'opération
de l'an dernier, pour 12 709 €, c'est ça, hein, je vous ai envoyé les chiffres. Sur votre ordre. Oh non. Là, on va me faire passer pour un despote. Ah, c'est pas la neuve, quand même, vous êtes dur. Bah non, non, mais c'était vachement précis ce que vous avez envoyé. Ah, bah oui, c'est clair. Bah, c'était, j'ai fait ça. Alors, donc, 12 709 €. Alors, le prélèvement sur les recettes de fonctionnement va être modifié en raison de notre déficit, donc on va faire la balance tout à l'heure. Alors, au niveau des différentes opérations d'investissement maintenant, donc il serait envisagé l'acquisition d'une saleuse pour un montant de 1 800 €. Il est proposé d'inscrire un crédit de 4 000 € pour la réalisation de travaux sur les chemins. Chaque caillou, bien, oui, mais ouais. Ça fait bien avec les restes à réaliser, donc ça fait 12. À chaque caillou, en investissement 12 000. Mais parce que c'est dans le cadre de la restauration, enfin de la restructuration d'un chemin, toujours du même chemin de départ. Vous avez appris le bon vocabulaire, restructuration, c'est bon. Donc en fait, s'il faut reprendre les restes à réaliser, on va ajouter les 4 000 € de propositions nouvelles aux restes à réaliser, 8 000 €. Donc ça fait un total de 12 000. Subvention, c'était pour quelle opération ? Pour celle-là. Pour celle-là. Oui. Donc la subvention, c'est 6 160 plus 5 134, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc on ajoute 5 134 aux 6 160. Alors le chemin Saint-Cyr-le-Teil, donc là il est proposé d'y affecter un crédit de 2 000 €. L'espace, enfin l'aménagement de l'espace conteneur, hein, je suppose. Donc là, il est proposé d'y affecter une somme de 10 000 euros. Aménagement d'un arrêt bus, il est proposé d'y affecter un montant de 2 700 €. Travaux sur le plancher de la salle des fêtes, il est proposé un crédit de 2 500 €. Réfection des gouttières de la salle des fêtes, il est proposé d'y affecter une somme de 11 000 euros. Et enfin, travaux à la mairie. Donc là, les bâtiments de la mairie. Travaux sur les bâtiments de la mairie. Il est proposé donc un crédit de 38 000. Pardon ? Ah ben après, voilà. Voilà, dans la proposition qui vous est faite, on n'a pas inscrit la rente d'accès handicapé, parce qu'on en a déjà plus qu'on peut en faire, on n'a pas inscrit le local technique communal. Ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Mettons tout, ça faisait